In the past, Haiti was a self-sufficient nation, producing virtually all of its own food internally. However, a combination of decades of food aid and low tariffs on foreign imports has led to a severe lack of investment in Haitian farming. Haiti is now highly dependent on international markets for its food supply, with 50% of food being imported from abroad. Currently, the agricultural sector in Haiti is largely powered by rural family businesses in crisis. C'est Michael Zondoma, propriétaire et concepteur projet Snack Fresh là. Vous avez découvert un problème que je découvre presque tout côté malé dans le pays. C'est l'incapacité des planteurs pour vivre de ça au produit. Et planteurs sont obligés d'abandonner le travail planteur parce qu'ils ne peuvent pas vivre suffisamment de ça au produit. Donc nous, Chita, avec tout le monde qui est impliqué dans la chaîne de valeur et production économique, légumes à pommes de terre, et nous décider et nous payer travail sur mettre sous pied un centre de transformation et pommes de terre qui c'est le premier centre de transformation pommes de terre qui va gagner dans le pays et qui permet de planter et écouler les produits au côté qui est sûr. La prend produit en main, la transformer et qu'on a là un dépôt dérivé qui c'est farine pommes de terre, purée pommes de terre. Pommes de terre et découpées, congelées, okay. Pommes frites que je dis très souvent. Snack Fresh, projet possible particulièrement avec contribution et partenariat qu'on établit avec COPAC. Mission nous, c'est aider les paysans à écouler les produits, jouer de bons marchés à meilleur prix afin que puis soient capables de satisfaire des conditions de vie, façon à fonctionner et façon à vivre. Et c'est mission ça qui pousse nous à arrêter soudain dans l'activité ça. Avec partenaire ça, nous avons un accord préférentiel côté, ils ont décidé qu'il y a fourni nos pommes de terre de façon pour nous faire 100 ans marché continuellement. L'usine de transformation ça a installé le Kinskoff parce que c'est là qu'il garde la pasture production pommes de terre. Snack Fresh is an initiative supported by UNIS Social Business, an investment fund co-founded by the Nobel Peace Prize laureate, Professor Mohamed Younes, to promote, create and empower social businesses across the globe. As a social business, Snack Fresh will help Haitians to eradicate poverty in a self-sustaining way. All we can do, we can take back our investment money. So this is a social business because we don't want to make any profit out of it or bring profit to us. The company will make profit, but profit will not come to us. Profit will stay with the company because we want to reach out to more and more of the villages because there are millions and millions of people who have the same problem. Et rêve nous c'est que Snack Fresh vienne et premier et peut-être plus gros centre de transformation de pommes de terre dans le pays. Que nous avons possibilité pour nous étendre dans notre zone de façon pour nous permettre notre paysan et notre planteur et nous écouler pour nous vivre le travail. Que madame yo avec petit yo ka vive de travail yo, que petit yo gen moyen puis à l'école puis bénéficier de soins de santé. Social business can make a difference in the world.